titre de la triennale, c'est la ville liquide, Liquid City, qui est aussi le thème, évidemment. Donc nous posons la question. Nous vivons dans une ère liquide, en mouvement. Les villes sont liquides, il y a le problème écologique, les problèmes économiques, il y a les réfugiés politiques qui viennent de partout. Comment voyons-nous le futur, en fait? Il n'y a pas de planète B, il n'y a qu'une planète A, il n'y a qu'une ville A. Et là, on doit construire la ville fluide du futur. En fait, on peut diviser l'exposition plus ou moins en trois parties. Il y a les artistes et architectes qui travaillent au niveau social, avec les habitants de Bruges, dans certains quartiers plus ou moins délaissés, et qui font des projets communs. Le second groupe, c'est plutôt des espaces, donc des pavillons flottants sur l'eau, où l'idée est de relater et les visiteurs et les habitants ensemble, où là, ils peuvent faire des projets communs. Et puis le troisième niveau de la triennale est beaucoup plus au niveau symbolique. Est-ce qu'on peut penser, repenser, réimaginer la ville ? De la triennale sont donc des créations. Il n'y a pas d'œuvre existante, tout a été produit spécialement pour la triennale, sauf les expositions à l'intérieur, comme la présentation du FRAC d'Orléans qui montre une partie de sa collection. Tout le reste a été créé. Ce sont surtout des grosses installations et donc des pavillons. L'idée était de reconnecter les habitants, les touristes, les personnes qui visitent l'exposition. Donc automatiquement, il faut une sorte d'espace flottant, donc de pavillon. Ce sont surtout des sculptures et des pavillons. Thank you.